un style percutant, comme un pavé lancé bien fort. Berthe appuie là où ça fait mal. C'est sa manière de décrire l'actualité. Ah, bataille pour une petite fille morte. Voilà du bon sujet. Ses journées commencent tous les matins dans ce bar à Besançon. Il trouve ici l'inspiration dans la presse, mais ne se revendique pas journaliste. Journaliste, ça suppose, enquête, grand reportage, couper ses sources. Moi, je revendique le droit à être de mauvaise foi, de me planter, d'être à côté de la plaque. C'est tout l'inverse du journalisme. En 25 ans de carrière, un seul mot d'ordre. Rire à chaque instant. Dernier livre en date, Profond, un recueil qu'il dédicacera samedi dans cette librairie tenue par un ami. On fait comme si on se connaissait pas. C'est un type qui se lâche, ça lui vient à l'esprit, que ce soit, consensuel ou pas, il y va et puis voilà. Donc c'est bien. Un de ceux qui ont fait que j'ai embrassé cette carrière, j'avais un poster de lui dans ma chambre quand j'avais 15 ans, quoi, là où les gens avaient des posters de rockstar. Moi, j'avais un dessin de ciné, une affiche de film, et 25 ans après, j'ai travaillé pour lui, donc ça, c'était agréable. Religion, flic, politique, autant de thèmes qu'il décline à l'infini dans son atelier. Chez Harakiri, on se revendiquait bête et méchant. Berthe, lui, est féroce et toujours intelligent.